Bonjour YouTube, salut. On se retrouve, nouvel épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on... je sais plus. Non, bon, ok, d'accord. C'était nul. Oh, ça va. On peut faire des flops, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Ça va, j'étais à l'envers. Là. Ça fait longtemps que je suis en live, hein. Quelqu'un peut me faire un uptime vite fait sur le chat? Ouais, je vais le faire. Uptime. 7 heures de stream. Ouais, après un petit 24 heures, tranquille. Tranquille. Du coup, oui, on voulait améliorer déjà les compétences de nos soldats. Nous avons donc châtiment 3. Donc ça augmente la précision, les dégâts face aux impies et modificateur de critique plus 1. Donc on gagne du critique, ça peut être intéressant. Nous avons l'accusé où on gagne en précision, modificateur de dégâts touche pas, on a plus de critique, on prend. Rempart de la foi. Protection plus 28, on passe à protection plus 32. C'est pas mal non plus. Et soin... Ah oui, de passer de 2 au 3 à 3, 4, ça oui. Ok. Donc pâtissier, c'est bon. Gummy. Alors, gummy, c'était quoi? Précision de base. Attendez, j'en profite pour fumer un peu ma clope. Oui, Yudo, dernière... Dernier donjon. Précision, donc on gagne en précision uniquement. Donc celle-là, elle fait juste du dégât. Hein. Mais plus de dégâts. Ouais, on prend. Ah non, attendez, c'est lesquels qui sont attribués? Merde, celle-là, elle n'était pas attribuée. Fuck, tant pis. Donc arme à feu ici. Plus de précision. Dégâts pas touchés. Critique pas touché, pas touché. C'est la précision qui augmente, on prend. Plus de précision aussi. C'est globalement que de la précision en plus. Tir de pistage. Donc ça, attendez, précision de base, modification de dégâts moins 80 soi-même, plus 14, donc on gagne plus de dégâts, plus de précision, plus de critique. Et il y a plus de précision de base. Ok, on prend. Globalement, je pense on prend tout. Hein. Précision de base, attendez, c'est où le changement? Donc précision de base change. On a plus de critique. Saignement, il est à 120%. De 3 points sur 3 tours au lieu de 2 points sur 2 tours. Sur 3 tours, donc oui, ça en prend. Par contre, on a modification de vitesse, moins 2 aussi. Ça, c'est très très bien, on prend. Ok, Topi 4, très très important. Le poison, on va le faire passer à du 5 points sur 3 tours. Ça, c'est très important. Et ici, pareil, 5 points sur 3 tours. Tu as quoi, Topi 4? Tu as lequel? Explosion déroutante, déplace un seul étourdissement. Donc c'était l'étourdissement, mais on va peut-être te mettre incision pour mettre un saignement à la place. Attendez, je l'ai pas fait. Hop, on va te mettre un saignement à la place. Et du coup le saignement passe de 2 sur 3 tours. Et le dernier c'est du soin, on passe de 1-2 à 2-2. Ce qui est pas dégueu non plus. Donc Topi 4 on prend. Et il nous reste Xabdo qui va être également très important. Donc Xabdo, jugement. Ah mais Xabdo, ouais, je peux pas te monter encore. Xabdo. Donc jugement. Donc ça c'est la précision qui augmente. Et le modificateur de critique aussi. Ah mais si je peux. Hop. J'ai plus de thunes. Oh, j'ai plus de thunes. Ah, faut que je prenne ça, je suis obligé. Après celui-là il coûte pas cher. Ça je prends. Ça je m'en branle. J'ai plus de thunes. J'avais pas vu. Attendez, la diligence. Je peux améliorer la diligence pour... Non, je peux pas encore avoir le quartier des héros. Non, c'était ça que je voulais. Ouais, je peux pas encore. J'ai plus de thunes. Est-ce que j'ai des breloques à vendre? J'ai quelques petits trucs à vendre. Résistance de déplacement. Ça, je vends. Oui. Hors de commandement uniquement pour croiser. Rare. Plus 3 de critique en position 1. Soins administrés plus 33. Ok, ça, on va garder. Le reste, on gardait, je crois. Cadenas protecteur uniquement pour abomination. Peu commun. Protection plus 15, ouais, on garde. Protection plus 5. Critiquement 1, on garde. Maximum de PV plus 10%, on prend. Enfin, on garde. Ça, on garde. Ok, je vais les déplacer en contrebas. Ah, quoi que ça sert à rien, ils vont pas rester en contrebas, mais... Bon, on a 4500, c'est suffisant pour faire une mission courte, non? On est bon. Allez, embarquons. Et on va essayer donc la cour. On va voir si on se fait pas limoger. Alors, qu'est-ce qu'on loot?
Marque des exclus uniquement pour Fury, Crimson Course, vitesse plus 3, chance de saignement plus 35%, résistance au coup fatal plus 15%, ça c'est vachement bien, soin reçu moins 15%, c'est pas ouf. Paria seul honteux, ok, ça c'est quoi? Une invitation à une soirée de jeu et de divertissement signé le baron, ok. Au niveau du stuff, on va tout récupérer, oui. Ah ouais, j'avais peut-être des trucs à vendre encore ici. Alors, déjà Xabdo. Xabdo, c'est l'administration des soins, on va te monter ton esquive. Et tes PV max. Résistance au saignement, PV max. Un peu comme une dégâts de stress, non. Non et non, ok. Mettre tout... Ah non, non, mais attendez, je suis con, j'ai pas fait mon équipe. Mais Xabdo il reste, oui, mais sinon j'ai pas fait mon équipe. Pâtissier en 1, Gami en 2, Topi 4, Gumi pardon, en 2. Attends, ah, ce n'est pas un truc aussi simple qui améliorera mes compétences. Ah merde! Ah merde, on peut pas le faire continue. Oh, oh non. Oh non. Oh non. Merde, bah il me faut un autre 2 alors. On prend HL même s'il est un peu stress. On va prendre HL à la place, je pense. Ou Adrix, même s'il est méga stress, on peut prendre Adrix. On m'a dit que le stress n'était pas important sur lui. C'est même mieux quand son stress il est haut. On va prendre Adrix à la place, même s'il est niveau 1. Et on prend donc Topi 4 en 3. C'est qui m'a dit attends qu'il soit 3. Je récupère tout au cas où j'en avais refourgué. Alors, pour toi donc c'était l'esquive et les PV. Pour Topi 4, tu fais du dégât de poison toi, donc tu vas pas attaquer directement. On va te mettre plus de PV et de la résistance au saignement. Pour toi, très rare, résistance aux couches fatales, oui. Dégâts de stress, oui, on veut pas que tu montes trop non plus. Et enfin, protection plus 5. Et critique plus 3 en position 1. Soins administrés plus 33%, résistance à l'infection moins 10%. Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Maintenant, il faut juste encore voir si on a assez de thunes. Ce qui n'est pas sûr. 4500, ça doit pouvoir se faire quand même. On va se prendre un petit peu plus de bouffe qu'avant. 8. On va prendre 10 de bouffe. 10 torches. C'est bon, on a assez de thunes largement. 10 torches. 2 clés. 2 pelles. On se prendrait peut-être un bandage aussi, vu qu'il y a des boss. Pas d'herbe médicinale, pas d'eau bénite. Laudanum, une teinture apaisante pour immuniser l'esprit contre les horreurs des ténèbres. Non. Donc on y va juste comme ça, je pense. Les sorts d'Adrix. Ah oui. Attends, les sorts d'Adrix, merde. Sort d'Adrix. J'ai pas vu combien il me restait. C'était quoi? Mais non, ils étaient bien les sorts d'Adrix. Soigne un point par tour pendant 2 tours. Soigne saignement. 3 points par tour. Sur soi-même, non. Exsanguination, corps à corps. Et plus de chagrin. Mais non, ils sont bien les sorts d'Adrix. Juste celui-ci que je soigne, que j'utilise peu, mais sinon ils sont pas trop mal. Plus de chagrin, corps à corps, précision de 95, modification de dégâts moins 90%, saignement de base 2 sur 3 tours, mal... On peut prendre celui-ci, ouais. On peut débloquer celui-là. Adrix ou Etux. Adrix vient là. Donc celui-ci on l'aura pas et on prend à la place celui-là. Saignement de, tours, de 2 sur 3 tours. Multiple de 4 pour la bouffe. Non, parce que ce sera pour pouvoir en donner moi manuellement. Vu que c'est une game, c'est une exploration courte, ça va pas changer d'en prendre plus. Ils vont pas bouffer plus, vouloir bouffer plus. Bon, on y va. Comme ça, je l'ai pas changé. C'est bon. Ok. Alors, on a dit 10 de bouffe, 10 torches, 2 clés de pelle et un bandage. Allez! YOLO! YOLO! Non, pas de sang. Je sais pas à quoi il sert le sang. Quoi. La cour et les jardins entouraient le manoir, étant autrefois une fierté pour les gardiens assidus que j'employais. Était. De formidables banquets et de luxueuses affaires sociales se déroulaient ici, sous les étoiles. Malgré l'attente des bienséances habituelles attribuées à ceux qui ont notre position. Nous nous moquions de la mélancolie stoïque des fontaines couvertes de mousse et des statues angéliques. Nos ébats amoureux s'alassent à moitié cachés par les...
La position était bonne, hein. Notre moralité glissait encore plus bas, dans la boue. Non, elle est bonne la position. Non ? J'ai foiré ? J'ai foiré pour être... C'est quoi cette position ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il est là ? Merde. Adris, il vient là. Et pourquoi c'est... Pourquoi ils ont changé de position ? Comment ça se fait ? Ok, faudrait que je m'en souvienne, hein. Faudrait que je m'en souvienne. Du coup, la quête activée, 3 ruches envahissantes, ok. En avant. En avant. Donc il y avait les moustiques. Ah oui, voilà, on n'a pas de torches. Merde, du coup, j'ai acheté des torches pour rien. Lumière de sang, augmente le stress, moins de résistance au saignement. Donc on n'a pas de torche et je peux pas l'allumer. D'accord. Alors c'est quoi ça par contre? Une pile d'os particulière et en... et de tendons poussiéreux jonchent le sol. Donc j'active ça. Les os contiennent des richesses. Oui. On a un sans follow. Bah merci les sans follow du jour. Merci. J'aurais pas dû acheter de torche. Oui, pas de spoil hein, les gens, attention. Attention. Oh putain, le changement de position à la con là. Alors, je connais pas du coup, je sais pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, quoi qui. Mais c'est quoi ce... Non, changement de position. Alors attendez, on a quoi? Un domestique et un suppléant. Ok. Bonjour madame. Il peut rien faire du coup. Bah tu vas te déplacer, écoute. Tu vas avancer. Ils ont combien de PV? 10 PV. Ok. On va y aller à la YOLO. Ça met du... Ça met saignement, hein. Ils ont résistance au saignement 15%, 15%. Et c'est un saignement de 2. Donc là, on doit pouvoir défoncer si on fait 8, parfait. Donc lui, il meurt. Lui, c'est fini. Récupération de sang. Ah, ça, c'est une attaque que j'avais vue sur un autre. En gros, ça, ça heal. Ça, ça heal. Toi, tu peux rester à cet emplacement-là. Ah, il est marqué, tiens. À distance, modification de dégâts en 50. Torche plus 5. Y'a pas la torche. Ah, et on a un compteur ici. Donc je suppose que plus le compteur est haut... Enfin, on a déjà, mais... peut-être que plus le compteur est haut, plus il y a des malus. C'est possible. Tu vas heal. Sedated. Toi, tu vas t'avancer de 1. J'aurais dû reculer, bordel. Ok, il est mort. Belle bleue. Toi, on va te mettre un saignement. Et... Ah oui, en plus, il y a le saignement avec ça, donc c'est gagné. On est bon. Parfait. Bah toi tu vas avancer, écoute, c'est ce que je te dise. Et toi, t'as personne à soigner. Tu peux augmenter. Non, tu peux même plus augmenter la torche ici. Bon bah t'as personne à soigner non plus. Attaque. Continue the onslaught. Destroy them all. Ok, on loot du sang, on loot de la thune. Parfait. On va te déplacer ici. Les positions sont bonnes. Ok, premier combat rondement mené. Point de problème. Et vous noterez, j'avais pas tilté, mais on voit pas la carte. Donc on connaît pas la taille de la carte. Yeah. Alors, ceux-là, on les a vus. Un moustique. Un flagorneur. Flagorneur, d'accord. Donc, saignement. Alors, la malédiction cramoisie. D'accord. Un de vos héros a la malédiction cramoisie. La malédiction n'est pas comme les autres maladies. Elle ne peut pas être soignée normalement au sanatorium. Le seul moyen de l'éloigner est le sang. Il y a peut-être d'autres façons de la soigner. D'où la nécessité du sang. D'accord. 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 Alors, plus de chagrin. Donc c'était ça, ça met saignement de 2 sur 3 tours. 90% de toucher. On fait pas beaucoup de dégâts, mais on a un saignement de 2 sur 3 tours. Donc voilà, on va mettre ça. Saignement. Malus, malus de résistance au saignement. Ok, et on va leur mettre également résistance à l'infection, 50%. Ouais. Résistance au saignement, 15%. C'est un saignement de 2. Allez. Donc on veut pas que lui nous mette trop de cette saloperie. Par contre là je peux faire l'accusation zélée. Oui, je peux. Parfait. Le moustique est mort. C'est qui? Mais du coup ça fait quoi? Alors oui, résistance à l'étourdissement moins 5%, résistance à l'infection. Merde. Résistance à l'infection, résistance au saignement, PV max moins 10%, vitesse plus 1. Ouais donc c'est un peu chiant hein. Et donc ça résiste, même si on retourne au village. Mais là, je peux utiliser du sang. Pourquoi ça l'a pas enlevé? Pourquoi ça l'a pas enlevé? Mais par contre, bouffer du sang, ça fait plus d'esquive, plus de vitesse. D'accord, bon. Soigner.
Merde, oui, bandage, j'utiliserai après. Ce sera son tour. Il a quoi comme saigne? Ah non, j'ai un antidote. Ouais, 4 dégâts pour 3 tours, ça fait 12, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Saignement. Toi, t'es déjà à 2. Donc normalement, 6, ouais, c'est bon, il meurt. Il meurt du saignement. Allez, on utilise antidote maintenant. On va mettre un saignement à 4 sur lui. Il faut qu'on fasse 4. Parfait. Donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Ah non! Oui, non, c'est bon, il a pas resté au saignement. Donc lui, il est mort, c'est parfait. Lui, il est mort aussi. Un peu de soin. Garde le sang car la maladie empire et il faut du sang pour la retarder. Ah, c'est ce que je viens de faire, non? C'est un vampirisme as 2. Le sang soigne pas les éloignes. Mais les soigne pas, mais éloigne. C'est-à-dire. Ah, c'est à vie et si pas de sang avant un certain temps, il meurt. What? Really? Bon, là, il meurt normalement. Hein. Ouais, c'est bon. Decimated. Putain, d'accord. Alors, c'est quoi ce truc? C'est là-dessus qu'il faut utiliser. Oui. Donc, ça, c'est notre objectif de quête. Une aubaine, enfin. Donc, on en a une sur trois. Repérage. Ok, il y a un combat, il y a un objectif de quête. C'est objectif de quête, ça, je crois. Hein. Non, c'est une curiosité. Tac. Terre est imprégnée de sang et moitié coagulé qui nourrit apparemment ses fleurs vitales. On met de l'eau bénite, peut-être? Oui, dépérissement dégage, une odeur toxique, fuck. Bon, c'est bon, c'est un petit peu de stress, pas trop grave. Utilise les torches, elles te donnent un bonus. Sur quoi? Là, si j'utilise les torches maintenant? Ah! Précision plus 3. Pour un combat. D'accord! Si j'utilise une deuxième. Non, je peux pas utiliser une deuxième, d'accord. Ah oui, donc les torches, c'est pas perdu. Ok. Ouais, d'après la description, il y a bien un moyen de la soigner. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cocon palpitant. Les organismes bien remplis et mobiles se cachent derrière. Ouais, il y a des moustiques là-dedans si je mets une torche. Agréablement sous. Ok, j'ai brûlé. Excellent. J'ai brûlé le nid de moustique, je crois. Bon, on a un combat. Et après, là, il n'y a rien. D'accord. On a le bonus de précision sur le prochain combat. Des moustiques, non! Ceci, impossible. C'était eux qui mettaient le... C'était ces moustiques là. Oui, c'est Flaggerner qui m'ont mis les saloperies avant. Hein. Dégâts. Non, ça c'est mieux. C'est clairement mieux ça. Toi, tu meurs pas du saignement. Hein. Pas encore. Après, ils ont déjà attaqué, donc... On a un dégât de zone avec lui. Ce saignement. On va soigner. Ouais. On va soigner. Et là, on peut faire l'accusation zélée qui peut tuer tous les deux. Parfait. Ok. Donc on continue, on a un petit loot après. Ah bah c'est pas un loot, c'est un... Un mur. On peut le soigner, je confirme. Mais il veut pas le spoiler. Ouais, non, mais dites pas comment le spoiler. Oh, comment le soigner. Je découvrirai. Il doit falloir un bâtiment, un truc comme ça. Repérage. D'accord, on n'a pas vraiment repéré en fait. On a juste scouté vite fait la route. On les avait pas eu encore. On les a pas encore vus. On va faire saignement. Ouais, lui on peut le buter, on peut le one shot. Nice, one shot. Donc ça va mettre le saignement hein. Ouais. Saignement sur le stick move. Et il esquive, superbe. 6 à 13, on a la possibilité de le one shot. Oh, le crit! Magnifique! Ton bon moment! Magnifique! On va encore soigner. Critique aussi! Trop trop bien! Trop trop bien! La soif. Mais comment on sait quand elle augmente la malédiction cramoisie?
Mais arrête d'esquiver, ta mère. Il y a 10 d'esquive en même temps. Allez. Merci. Il meurt pas encore de saignement parce qu'il met que 2. J'ai pas tant de soins à faire pour le moment, donc on va le buter. Eradicated. Success so clearly in view. Ça, ça me plaît pas trop, c'est quoi? Une pile d'os particulière et de tendons poussiéreux jonche le sol. Vas-y. Les os contiennent des richesses. Ok. La fin. Bah oui, hein. Nice. Ah non, c'est un organe bien rempli. Ouais, donc on va faire pareil qu'avant. Ouais, les œufs se transforment en fumée ou je sais pas trop quoi. Très bien. On a 8000 chemins possibles. Alors, donc ça c'est un combat. Pièce avec curiosité. Curiosité. Donc ça doit être les curiosités, moi je pense, mon objectif. Ou alors ils sont indiqués comme objectif de quête. Curiosité, combat. Ouais, on va aller par là, hein, du coup. Commençons par là. Couper le doigt avec une mandibule, bravo. Qu'est-ce que... Non, t'as juste pris le saignement. Pour 6, ça vaut peut-être pas la peine d'utiliser le bandage maintenant. Tu te soigneras. Ok, surprise, motherfucker. Du coup, saignement sur toi. Ah, je vais pouvoir finir le tour, normalement. Finir le combat en un tour. Saignement de 4. Ok. Là, tu mets 5 à 7. 6 à 10, voilà. Là c'est bon. On fera le dégât de zone avec lui. Allez, faut que lui on lui mette 5. Et lui 2. C'est bon. Tour terminé. Et du coup tu vas pouvoir te heal toi. Merci. Parfait. Regarde en bas de ton perso infecté. Il y a un petit symbole que les autres n'ont pas. Avec la souris dessus, ça va te donner le niveau de soif. D'accord. Ah, malédiction. Folie dans mes veines. À remplacer tout car... quoi, carreuse, ok. D'accord. C'est de ça que tu parles? Il y a un autre truc qui change qu'ils n'ont pas. Non, il n'y a pas un autre truc qui change. Mais ça indique pas le niveau de soif. Ou je suis aveugle. Saignement, piège... Boulimie, vitesse. Je vois rien qui change. Je vois rien qui change. Ah, parfait! Deuxième objectif de quête, excellent. Au moins, la chance nous sourit. Donc, on en est à 2. Je sais pas s'il y a un gros boss quelque part dans ce truc. Hein. Allez, c'est parti. Il est parti. Ah, hors profil? Attends. Ah d'accord, c'est plus tard. Au-dessus de la barre de vie du perso. Au-dessus de la barre de vie du perso. Oui, là, ça je l'ai vu. Mais le niveau de soif sera indiqué après, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un puits bouillonnant crache un nichor cramoisi provenant d'une source maudite. Et j'ai plus d'eau. Bon, on va essayer quand même. Hein. On va essayer. Résiste à la maladie. Parfait. Bon, y a un piège. On va essayer de pas le rater cette fois. T'es à combien? T'es à 50. T'es à 70. T'es à 80. Prends-toi. Et toi, t'es à combien? 70. On va te prendre toi pour qu'on stresse. Désarmé, parfait. Quand ça va augmenter, tu vas le remarquer. Ça va devenir rouge et tout. Ok. Bah, du coup, au choix, on va aller par là. Non, on va aller par là. Moins de route. Combat! Oh, des petites araignées, oh c'est mignon. Oh elles sont... Oh c'est mignon. On va les défoncer. Saignement, 20%. Ouais, on les dépop, hein. Easy.
Si je mets l'infection, ça met 5, on met un dégât. Ah ouais, mais il va falloir quand même les finir. On va peut-être pas le faire en un tour du coup. Toi, je t'explose ta gueule. On va exploser la gueule de elle. Voilà, elle a le saignement. Là, si je mets ça, ça fait combien? 6 à 11. Ouais. Allez, bim. Et du coup, la dernière, c'est elle. Envie de sang. Un de vos héros infecté a une soif qui ne peut être assouvie qu'avec le sang. Nourrissez-la vite ou elle peut commencer à s'affaiblir. Ah ah. Oui, d'accord. Envie. Mais j'ai plus de sang, il faut que j'en loot. Il faut que j'en loot. Press this advantage. Give them no quarter. Bon, c'est gagné. Easy boy. Putain, les bruits de moustiques sont horribles, j'ai l'impression que c'est IRL que j'ai les bruits de moustiques. Du coup, par là. Des jolies fleurs. La terre est imprégnée de sang. Et moitié coagulé qui nourrit apparemment ses fleurs vitales. Fleurs portent la puanteur, machin. Ok, super. C'est pas très grave. Bonjour, qui êtes-vous ? Une mystérieuse silhouette, mais totalement pas totalement humaine, pas totalement insecte, s'agenouille ici sur le sol. Antidote. L'objet n'a aucun effet. On voyait aucune réaction. J'ai pas vu. On loot. Ok. Bon, bah très bien. Merci. Au revoir. Ah, mais c'est pas fini. Ah, mais ça. Là, il doit y avoir un passage du coup. Ok. Donc j'ai pris le bon chemin. Oh là 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 là, je l'ai vu chez MV celui-ci. Il en a chié. Il en a chié. Alors, il y a les quenouilles. Enthousiaste. J'accepte volontiers cette nouvelle épreuve. Bénis soient ceux qui le méritent. Ça fait quoi enthousiaste? Dites-moi. Donc les quenouilles, 100 PV mais elles n'attaquent pas. On voit qu'elles n'ont pas de trait à côté. Mais, par contre, il y a le crocodilien qu'il va falloir défoncer. On va commencer par un petit île de groupe. Voilà, un petit 3 pour tous. Magnifique. Peur tapis. Donc bonus. Dégâts supplémentaires, protection supplémentaire. D'accord. On va l'infecter. Infection. Ouais, 80% de résistance. C'est pas une bonne idée. Bah j'ai que ça en soi. Là j'ai que ça d'utile. Allez. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Infection. Oh putain, hein, sur le 20%. C'est un boss, ouais. Je pense bien. Donc très bien, l'infection qui passe. Saignement, résistance au saignement, 50%. Allez, un bon gros saignement des familles. Non, saignement qui passe pas. Dommage. On va se marquer, hein. On va se marquer. D'accord, il se met devant. Ça fait le, ça met le saignement aussi. Ah mais attendez, il a eu une deuxième action. Ah non, c'est un nouveau tour, je suis con, c'est un nouveau tour. Allez, saignement. Yes. Donc là, il prend 4, il prend 9 par tour. Bah... je pense que je retente, hein. Je retente l'empoisonnement. C'est la meilleure chose que j'ai à faire. Ouais, il résiste, c'est normal. Submergé. Alors bonus, dégâts, esquive plus 35 pendant un tour. Ouais, un tour d'esquive. On va essayer de le taper. Esquive normal. Apex prédateur. Ok, ça pique. 15. Non, attendez. Ah oui, mais j'ai pas beaucoup de PV moi en fait. Et c'est pas lui qui est marqué. Trouduc. Châtiment du coup. 6 à 13. Allez, ça hit. Saignement. Ou poison. Là, je mets combien de dégâts? 1, 1. Là, je mets 5 à 7. Ouais, c'est peut-être plus intéressant ça quand même. Dans tous les cas. Parce que c'est écrit. C'est notre projet. D'accord, les quenouilles, on peut pas les taper. Ça paraît logique. Ok. Chuter avec les dents. Ça passe devant, moins un peu de stress, c'est pas grave. Saignement, saignement pas monstrueux.
Il va s'en foutre. Il va falloir soigner. Putain, je peux pas parler. Abatement. Il n'y a plus que le saignement. Peur tapis. Donc là, il va se recacher, c'est ça, ouais. Il se cache derrière une quenouille. As-tu vu? Ah non, c'est augmentation des dégâts. On peut continuer de le frapper. On va lui remettre du saignement. Résiste le saignement, super. La manière n'a pas d'importance. Mais arrête de taper des quenouilles! Putain, tu vois bien que c'est des herbes! Aïe! Aïe, aïe! Non, mais c'est bon, ça met juste le saignement. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Enfin, juste. Oui, il résiste en plus, parfait. On va re-soigner lui. Non, il veut pas, il n'y a pas de véritable salut sans faire couler le sang. D'accord, il veut pas se faire heal, c'est pas grave. Du coup, on va faire ça. 3, 6 plus d'huile sur nous-mêmes. Affûte avec les dents. Pareil, le saignement. Changement de position relou par contre. Parce que c'est écrit et c'est notre projet. Merci de monter ton stress encore. Tu vas te suicider si tu continues, hein. Allez, saignement. Bim. Dans les dents. Saignement. Il lui reste 19 PV. Ça va. Submergé, c'est bon. Tu recules pas, il avance. Non, même pas. Rien du tout. Il reste là. Ah, il se heal par contre. Ok. Je vais heal. Lui, il a beaucoup de PV, hein. 33, ouais. Le croisier saigne. Oui, mais c'est pas grand chose. Ça va. Aïe, 13. Ouh, ça pique. Oh, ça pique. 7 à 14. Allez. Oui. Il n'a plus que 19 PV. Laisse-moi attaquer. J'ai envie de flux sanguin. Mais quoi, quoi? Il a sérieusement attaqué son mate. Bravo. Soignez la healeuse. Soignez-vous tous les deux. Merci. Affûte avec les dents. Ouais, ça va. Ouais, là, je vais le soigner le saignement. C'est vrai qu'en plus, j'ai deux bandages. Hein. J'en ai oublié un. Ouais. Elle aussi, elle saigne. Alors, toi, tu vas commencer par te soigner. Par te bander. Et ensuite, tu te soignes toi-même. C'est quoi ça? Esquive moins 20, oui. Merde! Ah oui, mais c'est vrai que c'est le heal de zone seulement à cet emplacement. C'est pas grave. Toi, tu vas te soigner aussi. Et tu peux rien foutre. 8 PV. Allez! 5. C'est bon, saignement, non? Oui, c'est bon! C'est gagné! On l'a fait! Les quenouilles qui brûlent et disparaissent! Facile! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un signe d'homme de loi abîmé, uniquement pour maître chien. Crimson Quartz. Compétence à distance, précision plus 15. Soin de stress plus 50% lors du campement. Soin d'administré plus 25% résistance à l'étourdissement. Moins 20 résistance au malus, moins 20. Même le chef était dans le coup. Dégâts plus 25 versus saignement. Dégâts critiques plus 3%. Oh, c'est vachement bien ça. C'est vachement bien, c'est pété. Easy. Easy. On va replacer tout le monde. Toi, tu vas derrière. Toi, tu viens en deuxième position. Ok. Personne ne sienne. Elle a encore un peu soif. Hein. Ouais, envie. On a 8 de bouffe. On n'a pas encore fini la quête. Ah, mais attendez, me dites pas qu'il n'y a pas de chemin là. Oh non, sérieux, il n'y a pas de chemin pour aller là. Oh, pas cool. T'as combien de PV t'as encore? 13. Allez, on y va comme ça. Fin. Oui, soignez-vous. J'ai fini la clope. Bonjour. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ambushed by Powell Invention. Merde! Elle saigne! Et elle a plus de PV! Oh, il faut que j'ai de la bouffée, hein, je suis obligé. C'est quoi le saignement? 2 de dégâts sur 3 tours et je la heal que 2. Oh, je suis obligé de donner les 4 de bouffe.
Non, je vais lui donner 2. Oh, la saloperie. Oh oui, c'est le dernier. Oh oui, on l'a fini. On va pas continuer notre route, hein. C'est Gurfy. On va pas continuer notre route, on va rentrer, hein. On a réussi. Merde, j'ai pressé le mauvais bouton, c'est pas grave. On a réussi. Au cours de ces jeunes années, ma maison était un bourdonnement. Attendez, on va faire plutôt comme ça. A roiling apiary, where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Très bien. Donc c'est un monstre. C'était un monstre. Donc ça doit être un des boss de fin. Très bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on a eu comme loot? Oh, pas mal de thunes. 12 000. Plus 4 règles de propriété. C'est toujours ça. Passage niveau 3 pour 3 personnes. Magnifique. Juste le cas d'expérience. Passion divine. Vision et illusion religieuse récurrente. Et Adrix, passé niveau 2. Fragilité. PV max moins 10. Ça c'est pas cool par contre. On va te soigner. Alors un conseil à S2, vu que tu as découvert la malédiction cramoisie, si tu veux pas la répandre, soigne les personnages infectés uniquement entre eux dans les bâtiments. Ah, ça se répand si, hein. Oui, d'accord. Les mots étaient restaurés à un niveau supportable de dégénérescence une fois encore. Cependant, la dispersion de cette pestilence dans l'environnement avoisinant semble inévitable. Toutes les régions connaîtront une infestation croissante. Oh, ça pue. Événement urbain, ouais, c'est tout ce qu'il y a eu. Ça, c'est les level up, ok. Bon, écoutez les gens, il est 20 minuit 30. Déjà, on dit au revoir à YouTube. Mais pas ce blanc pour cette belle victoire.